Secret longtemps gardé, je te donne enfin les trois méthodes pour réussir à coup sûr tes accords mets et vins. La première astuce pour ne pas se tromper, c'est la couleur. Les vins blancs vont avec des mets peu colorés, volailles, viande blanche, poissons, fruits de mer, alors que les vins rouges s'accompagnent de mets beaucoup plus colorés. Viande rouge, plat en sauce, etc. La deuxième astuce pour ne pas se tromper, c'est de faire une association d'odeurs. On prend par exemple un pommerol qui sent le sous-bois pour accompagner un plat automnal avec des champignons par exemple. Et le must, si vraiment tu maîtrises les deux suivantes, c'est de fonctionner par association de goût. Je m'explique. Par exemple, on sait que l'acidité atténue la perception de salé. On prend donc un beaujolais un petit peu vif et acide pour associer avec de la charcuterie qui est plutôt très salée. A l'inverse, le salé accentue la perception d'amertume. Si on prend donc un vin un petit peu trop tannique avec de la charcuterie, ça viendra rehausser ses tanins et il paraîtra trop dur ou trop astringent. Si tu souhaites en apprendre plus sur le vin, je t'invite à t'abonner et si tu as la moindre question, tu peux la poser en commentaire. Je te souhaite évidemment de belles dégustations.